Bonjour à tous, vous êtes bien sur Gameblog.fr. Regardez ce que j'ai entre les mains. Super Mario, la version 3DS. Alors vous vous souvenez, il y a quelques semaines maintenant, on avait eu la chance de rencontrer Shigeru Miyamoto, de passage à Paris, qui nous avait officialisé l'arrivée du jeu pour la fin d'année 2011. Et bien voilà, on peut enfin y jouer. Et alors sur le 3, et bien il y a 4 niveaux différents, 4 manières de jouer. Il y a un boss, il y a un passage avec la célèbre tenue de Tanuki, vous savez, ce raton laveur avec sa petite queue qui se dordine. Histoire de voler, de flotter dans les airs. Et puis, vraiment, ce qui est bluffant avec ce titre, c'est sa réalisation. Moi, j'ai été absolument sidéré. On est assez proche, finalement, d'une réalisation, oui, très colorée, très arrondie, très fun, très rapide, avec des angles de vue qui utilisent vraiment bien la 3D relief, pour une fois. Alors justement, la 3D relief, généralement sur 3DS, on trouve ça toujours un peu gadget. Et bien là, avec ce Super Mario, elle se justifie carrément, car il y a énormément d'objets qui jaillissent de l'écran. D'habitude, dans un platformer traditionnel, vous passez de gauche à droite ou de droite à gauche. Et bien là, vous allez aller en profondeur. Et la caméra, parfois même, va passer vue du dessus. Il y a même de beaux hommages à Zelda. C'est les 25 ans de la série, et vous le savez, et Nintendo, lors de la table ronde Miyamoto, nous a confirmé qu'effectivement, c'était pas du tout innocent. Il y a des niveaux qui ressemblent carrément à des passages dans les châteaux de Zelda. C'est plutôt marrant, où on le voit de dessus, et où du coup, la profondeur se joue vraiment, puisque vous allez tomber dans des trous, rebondir sur des trampolines, et arriver carrément sauter à l'extérieur presque de l'écran. Et là, du coup, eh bien, le relief est vraiment bien exploité. Moi, j'ai vraiment été séduit. Ça rafraîchit la série. Le titre est vraiment bon, les musiques sont toujours aussi fun de Koji Kondo. Enfin voilà, Super Mario sur 3DS, c'est l'un de nos jeux coup de cœur et c'est bien pour ça qu'il s'agit d'un des Gameblog Best of Show nominee. Est-ce qu'il va gagner? Eh bien c'est ce qu'on saura dans quelques jours, à la fin de l'E3, lorsque nous aurons fini les votes, et nous vous ferons participer aussi pour que vous élisiez le jeu du salon de cette E3 2011. A très bientôt dans Gameblog pour d'autres informations jeux vidéo.